À votre tour, mes amis Verseau, pour votre tirage de ce mois de mai 2021. Allez, on va regarder qu'est-ce qui s'y passe. Bon ben, on va voir les messages qui viennent de sauter pour vous. Allez, hop, Verseau, Verseau, mais hop. Bim, allez, 1, 2, 3 et 4. Alors, mes amis Verseau, hommes, femmes, que ce soit votre signe ascendant, descendant, lunaire ou solaire, ou même peut-être la personne de votre cœur, si ce tirage ne vous parle pas, regardez le tirage de votre ascendant, qui peut peut-être amener des complémentarités. Alors voilà. Alors pour vous, Verseau, on dit que vous êtes emprisonné dans une relation. Pour moi, il y a un emprisonnement aussi psychologique. Hein. Je ne sais pas si on voit bien, si je dois écarter un peu plus les lames. Voilà, on dit qu'il y a un environnement quand même psychologique par rapport à la relation que vous êtes. Donc, effectivement, il y a cette... Alors, si vous êtes en couple, il y a un emprisonnement dans ce couple, c'est-à-dire que vous vous sentez oppressé ou il y a une personne qui a le dessus sur vous. Si vous êtes célibataire, on dit qu'il y a une relation qui vous prend vraiment la tête et dans laquelle vous n'arrivez pas à sortir de votre passé. Donc, vous n'arrivez pas à rencontrer peut-être une relation solide, ou en tout cas vous n'arrivez pas à concrétiser la relation. Voyez, on dit que ça vous fait un petit malaise. Donc effectivement, au niveau de la médiumité, on dit que le mois de février a été quand même jusqu'à présent un mois qui a été dur, mais on dit que dans les deux mois qui arrivent, c'est-à-dire sur juillet, ça va être un petit peu morose. Vous allez avoir le vague à l'âme parce que ça va être juillet, vous aimeriez rencontrer quelqu'un, on ne rencontre pas. Vous aimeriez que le couple peut-être explore d'autres chemins ou peut-être un futur. Et pour l'instant, vous n'êtes pas très très bien dans vos baskets. Voilà. Vous aimeriez au contraire que les choses se fassent avec un peu plus de rapidité. Il faut que les choses se réalisent rapidement. Voilà. Voyez, on dit que peut-être vous sortez ami Verseau avec une personne qui est beaucoup plus jeune que vous. Voilà. Et donc la relation peut-être ne va pas aussi rapidement que ce que vous souhaiteriez. Mais néanmoins, les choses devraient avancer d'une manière favorable. Voilà. On dit que pour certains Verseau, il y a effectivement il y a cet emprisonnement sur des îles où vous n'arrivez pas peut-être à rentrer dans la métropole. Donc ça, il y a des complications peut-être avec une personne qui habite loin et avec laquelle vous êtes en relation. Donc on dit que voilà, il y a un enchaînement par rapport à cette relation. Cette relation peut-être a des origines aussi au niveau de l'étranger, hein, voire peut-être c'est une personne qui habite dans les îles, mais en attendant, voilà, c'est ça, la personne habite. Et donc, on aimerait revoir cette personne, mais actuellement, c'est un peu compliqué au vu de la situation sanitaire. Donc, ce mois de mai va être un peu compliqué. Voilà, on dit qu'il y a certains Verseaux qui ont des enfants à charge ou des parents à charge, voilà, et qui sont coincés parce qu'ils aimeraient peut-être se réunir effectivement. Voilà, on dit aussi, alors maintenant il y a un tissu quand même travail pour vous Verseau, donc on dit qu'il y a, alors soit vous avez un métier où on travaille aussi avec les personnes âgées ou avec les enfants, mais on dit aussi qu'il y a certains Verseaux qui vont avoir une rapidité dans leur travail, voilà, et qui vont, ça ne va, et voyez l'emprisonnement, la rapidité, le travail, c'est vrai que pour l'instant on a fait le tour peut-être au niveau de son poste et on souhaite une évolution. Ensuite on aimerait aussi voyager peut-être avec les enfants,
mais actuellement ce n'est pas le. Donc sur ce mois de mai, pour vous Verseau, autant homme-femme, vous allez beaucoup vous interroger sur cet aspect de départ au soleil, de vacances, d'avancée professionnelle, mais c'est quelque chose qui tarde à arriver et vous trouvez quand même un peu le temps long sur ce mois de mai. Si on regarde maintenant le côté quand même bonheur et bien-être, on dit quand même que la chance vous sourit au niveau et professionnel et sentimental, et même au niveau de l'argent. Donc pour moi, il y a des augmentations sur ce mois de mai. On dit qu'il y a le côté financier va être une question primordiale sur le mois qui arrive, surtout pour vous les hommes Verseau. Voilà. Voilà. Donc comme je vous l'ai dit, il y aura une évolution financière pour vous, parce que peut-être vous avez évolué dans votre professionnel, mais aussi peut-être on vous a donné de l'argent. Voilà. Donc, vous avez quand même un beau potentiel sur ce mois de mai, en tout cas professionnellement. Effectivement, les choses vont bien se passer pour vous. Et il y a ce côté toujours de l'étranger, hein. Donc, on essaye d'avoir des nouvelles d'une personne peut-être qui est éloignée un petit peu de vous. Mais voilà, donc il y a un changement qui se profile sur l'été. Et voyez, et on est déjà dans les projets de retrouver cette personne. Voilà, de retrouver peut-être un travail à l'étranger aussi, ou de retrouver tout simplement des collègues. Donc c'est vrai que ce mois de mai pour vous, Verseau, c'est un mois qui est quand même financier et d'évolution. On dit que vous êtes une personne quand même au niveau professionnel indépendante. Vous travaillez ou pour vous, ou vous travaillez dans un bureau pour vous sur ce mois de mai. Il y a de la communication qui reprend. On dit que vous êtes en attente de nouvelles ou de quelqu'un qui vous donnerait des nouvelles. Voilà. Qui vous amènerait. Alors, peut-être il y a des nouvelles par rapport à un contrat avec le service public. Mais en tout cas, on dit qu'il y a la protection pour vous, Verseau, sur ce mois, on va dire, de mai. Voilà. Vous avez été patient. Les choses arrivent. On a sacrifié, les vacances sont là, le contrat il est là aussi. Il y a des choses très intéressantes qui vous amènent l'argent. Voilà, moi je peux pas vous dire que ce mois de mai, en tout cas sur le professionnel et le financier, soit un mois catastrophique. C'est surtout sur les mois suivants qui peuvent être un peu difficiles. Voilà, on va voir maintenant sur le tissu sentimental. Comment ça évolue pour vous les Verseaux. Alors, qu'est-ce qu'on dit pour les Verseaux au niveau du sentimental? Allez, et on va regarder ce qu'il en est. Allez, mes petits Verseaux, qu'est-ce qu'on dit par rapport à vous? Hop, 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 hop. Bon, voilà. Alors, pour moi, il y a des Verseaux qui sont soit des examens, soit pas des examens, il y a des réussites. Ça peut être la personne avec laquelle vous sortez aussi qui réussit ses examens. Hein. Voilà. Il y a, voilà, donc il y a une signature de contrat. Mais il y a des compromis au niveau sentimental. Il y a des compromis. Hein. Il y a des négociations, comme on dit. Voilà. Et donc, il y a des compromis parce qu'on dirait qu'il y a des accusations par rapport à une personne où on s'accuse de « tu n'as pas fait ci, tu aurais dû faire ça, etc. » Voilà, donc on parle quand même de jalousie. Donc vous vous méfiez quand même, donc vous y a une certaine jalousie parce qu'on dirait que vous êtes jaloux ou de la réussite de la personne avec laquelle vous sortez, soit effectivement vous pouvez être jaloux aussi de la rivalité, c'est-à-dire qu'une fois que cette personne est diplômée, homme ou femme, vous avez peur peut-être que cette personne s'en aille ailleurs et qu'elle s'intéresse à quelqu'un d'autre. Voilà, donc effectivement, il y a cette jalousie qui est là, voyez. Vous avez peur qu'elle s'en aille peut-être ou qu'il s'en aille avec un collègue de travail, tout simplement. Voilà, donc on dit que le temps fera son œuvre. Donc ça fait un moment que vous êtes avec cette personne quand même, ce n'est pas de maintenant.
Mais il y a cette jalousie qui est là. Voilà, et puis peut-être vous aimeriez aussi fonder un foyer, hein, voilà, peut-être que c'est le temps de fonder un foyer, mais pour le moment, ce n'est pas le cas. Voilà, la personne n'a pas envie pour le moment de fonder quoi que ce soit. Je pense qu'elle est plus jeune et elle veut gagner son argent. Voilà. Donc c'est une personne qui veut réussir, mais qui pour l'instant n'est pas prêt de fonder un foyer avec vous. Donc le mois de mai va être question quand même de, oui, de réussite. Je pense que c'est une personne qui continue ses études. Voilà. Donc on continue les études et du coup ça vous êtes instable. Il y a quelque chose qui vous rend morose. Vous voyez par rapport aux enfants. Donc peut-être que vous voulez fonder un foyer, la personne ne le veut pas parce que elle, ben, voilà, elle est dans notre mouvance et vous aimeriez peut-être autre chose. Donc du coup, vous êtes dans l'interrogation. Voilà. Et donc, ben, comme je vous l'ai dit, on se fait des reproches. Voilà, on se fait des petits reproches, on s'accuse et tout, t'as fait ci, ta 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 ta. Attention, parce que si vous n'êtes pas d'accord, vous risquez d'avoir une petite séparation. Voilà. Donc, moi, à mon sens, pour ce mois de mai, je vous le dis, Verseau, vous vous concentrez sur votre professionnel et votre réussite. Si vous vous concentrez trop sur le devenir de la relation et de dire ce que peut devenir votre relation, attention, vous frôlez, on va dire, la fin de votre histoire. Voilà. Parce que cette personne peut être intéressée peut-être ailleurs, quelqu'un d'autre. Allez, on va regarder. Alors, qu'est-ce qu'on dit? Voilà. Alors, déjà, vous n'êtes pas quelqu'un qui parlait beaucoup. Donc, la communication par rapport au tissu sentimental est difficile. Effectivement, il peut y avoir une autre rencontre. Vous vous enfermez un peu dans votre solitude et cette personne n'a pas envie de faire d'avancer. Et de ce fait, il va falloir que vous acceptez parce qu'actuellement, on est un peu dans son illusion là, hein. Donc moi je dis que vous pouvez avoir un entretien par rapport à une issue, enfin en tout cas à parler avec cette personne parce que sinon vous allez avoir une cassure. Voilà. Donc ce mois de mai est un mois pour moi qui est mitigé sentimentalement, mais qui est très intéressant financièrement et professionnellement. Voilà qu'est-ce que je pouvais vous dire Verseau sur ce mois de mai. Encore une fois, j'espère que ça vous a plu. Si ça vous a déplu, vous allez voir votre signe ascendant, peut-être qui vous donnera un peu plus donc de détails. N'hésitez pas à commenter, à liker, à partager, à me poser des questions. Vous avez un lien qui est en dessous si vous voulez vous rajouter à mon groupe privé pour suivre mes guidances privées. Si vous voulez une consultation, vous savez où me trouver. Voilà, je vous souhaite un très très bon mois de mai, le mois de Marie, dit-on. Faites attention à ce que vous signez et on se retrouvera pour le mois de juin. Merci mes petits Verseaux et à très bientôt. Au revoir.